Y avait un marchand ambulant quelque part. Je sais plus où est ce connard. Mais peut-être par ici. On va trouver le marchand ambulant pour voir si je peux m'acheter le balai qui vend à 5000 balles. Ah mais Léo, tu débarques. C'est le jeu qui est en train de détruire Twitter à l'heure actuelle. C'est le jeu le plus polémique que tu n'as jamais connu de ta vie. C'est Hogwarts Legacy, qui est sur l'univers d'Harry Potter. C'est tu incarnes un élève à l'école de Poudlard. Et comment dire, c'est un action RPG. Et comment ça s'appelle, et ça se passe en 1890. Voilà. Pourquoi le jeu est en polémique? Parce que c'est J.K. Rowling. Enfin, elle a rien fait sur le jeu d'ailleurs. La meuf, elle a absolument rien. Yes. Attends, mais me dites pas que c'est juste un style. C'est pas le skin qui vaut 5000 balles. C'est le balai, hein. Bon, au pire des cas. Merci pour votre confiance. Au pire des cas, on va l'acheter de toute façon. Ça dégage. Ça. On va vendre tout le multiple merdier. Hein ? Non. On vend toute la dobasse. C'était un plaisir. Alors, par contre, on n'est pas là pour parler de J.K. Rowling, hein, je vous le dis tout de suite. J'en ai rien à foutre, moi. Il y a l'ultime série de You qui sort. Trop bien, je m'en fous. Oh, You, j'aime pas du tout. La seule chose d'intérêt à Bourgaren. Ah oui, on va vite quand même. De mon avis, Poudlard a bien de la chance. Action, Incendio. Propulsion. Incendio. Arrestons momentum. Action, Incendio. La conduite de balai est bonne, un peu hasardeuse quelquefois, j'ai pas le cacher, hein, mais... C'est vrai que par moments, c'est... Si quelqu'un s'en prend à moi, je l'enverrai 6 pieds sous terre. C'est vrai ? Action ! Réflexion ! Action ! Réflexion ! Arrête au moment là. Action. Incendio. Propulsion. Action. Incendio. Trop marrant. C'est fini pour toi. Trop marrant. On tue des gens. Revelio. C'est trop marrant. Allô, Mora. On va le libérer. Merde. Oh non, c'était quoi ?
Halloween ne me croira jamais. Et voilà, vous êtes sauvés! Pourquoi je fais ça? J'oublie de relâcher la touche à chaque fois, c'était quoi? C'était quoi? J'avais quoi à la place? Ok. Alors... Ça, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Utiliser la carte avec les bougies flottantes. C'est-à-dire... Carte. Et... Comment je fais les bougies flottantes? C'est d'ailleurs, j'ai une idée. On va explorer un peu tout par là-bas, là. C'est cheaté, non? C'est juste que je suis fort. Ah, j'ai pas stream trop longtemps, je pense. Parce que j'ai un peu mal au crâne. J'en ai quand même bien avancé dans le jeu, mine de rien. Incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Doliprane, oui, non, mais bien sûr, mais faut que je me repose aussi des fois quand même. Bonjour, messieurs, dames. Incendio. Arresto, mon maître. Oh. Incendio. Réflexion. Action, incendio. Arrête au moment seul. Protego. Incendio. Action. Arrête au moment seul. Propulsion. Encore ? Stupéfix. Arresto momentum. Incendio. Confringo. Classius. Confringo. Protego. Ah mais il commence à... Totalus. Ah mais j'ai le droit. Revelio. Attends, j'ai le droit de pétrifier quelqu'un au sol si je suis proche de lui. Oh, c'est cheaté par contre ça. Ah, c'était donc ça. Lumos. Les combats ont l'air mou du cul. Absolument pas. Réflexion. Lumos, les combats sont plutôt vénères pour certains. Après, faut y jouer pour le ressentir. Confringo. Revelio. Ok.
Bizarre. À mon avis, c'est pour une quête. À mon avis. Merci pour l'esprit en tox, mais de rien. Bah, peut-être, Dev, si t'es en train d'installer ton jeu en même temps, il y a moyen que. Moyen que ça merdouille. J'en ai pas de ça. Donc, ça, c'est Expelliarmus. Te ferai pas de mal. J'ai chopé un mâle ou une femelle ? Bon là, il y a que trois femelles donc du coup. Lumos. Legioso. Je ne te veux aucun mal. J'aimerais avoir un poste de combat. À rester assis toute la journée. Même Expelliarmus. Les deux sont. Protego, stupéfiant. Ma pro. Defendo. Bien joué. Expelliarmus. Arresto momentum. Repulso. Confringo. Classic. C'est giga fort, mais la tête de ma mère. Ah mais le son là, please. Calmez-vous hein. Confringo, Cassius. Confringo, Cassius. Voilà, lui, je me suis débarrassé de lui. Arresto momentum. Incendio. Putain, je vais pas réussir, lui. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Legioso. Legioso. Classius. Confringo. Descendo. Oh le bâtard. Je sais pas quoi utiliser contre. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Legioso. Non, ça marche pas, hein. Oh merde. Le poteau. Alors les combats sont toujours mous ? Pas trop.
Hâte que cette journée termine. Faut que je fasse quoi ici? Lassus, descendo. C'est de la couleur violette, alors je sais pas, moi je me dis. Action. Merde, comment je fais pour l'ouvrir ça? C'est con, je crois qu'il y a un passage, je peux pas le faire. Petricus Totalus. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Je crois que tu vas passer un sale quart d'heure. Action. L'intrus. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Action. Eh ouais, je suis là, connard. Je ne m'arrêterai pas. Action. Comment je lui ai mis la misère à lui là? Revelio. Ah bah, je l'ai enterré dans le sol. Ah. Ah, t'es pas mort. C'est bien trop facile. Mais quelle arnaque! Enculé! Confringo! Niveau 27! Action! Tiens! Choper le baril, merci.
Ah mais... Oh mais je sais. Confringo. Il va clamser, hein. Ça, il s'en bat les couilles, hein. Il en aura fallu des plantes. C'est toujours à moi de faire le vieil. Montre-toi. Action. Arresto momentum. Réflexion. Action. Insecto. Ah, la délice. Arresto momentum. Réflexion. Insecto. Je me bats depuis bien avant. Ta gueule! Je ne veux pas nous arrêter. Tu ne m'arrêteras pas. Bien sûr que si, je vais t'arrêter, mec. C'est bon, là? C'est entièrement la faute de Ranrock. Tu vas te calmer, en fait? Non, apparemment, le camp n'est pas vidé. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Ah merde, il m'a fait descendre automatiquement. C'est bizarre, le symbole il est pas... comme si c'était pas clean, le camp. Sur la map que vous ne voyez pas, mais... Revelio. Ah oui, certainement dans la grotte du coup. Hein? Ennemi coincé? Non, je le vois même pas sur la map.
Rebellio. Bah, ah, je vais dire. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Ben voilà. Une épreuve de Merlin de fête de plus. Rebellio. Et là, il y a un coffre. Let's go. Ah, voilà. Là, maintenant, il me dit que le camp est fait. Le camp est clean. On va aller faire le coffre. Allez. Voilà, moi je loot absolument tout. Lumos. Je n'avais jamais vu une épée comme ça. Propulsion. Ah, action. Cette épée. Ah, reste au moment. Kifindo. T'as voulu faire quoi, toi? T'as voulu me niquer, petit enfoiré, hein? Rebellio. Moi, tu me niques pas, moi. Mais je devrais pas être là, on est d'accord? Kifindo. Pas assez de vie. Expelliarmus. Salut Conce. Expelliarmus. Ah, c'est très fort Expelliarmus, hein. Genre vraiment. T'as peur de m'affronter? Expelliarmus. Kifindo. Leviosa. Repulsion. Action. Comment ça va Conce? Ragnarok vous a tous trompé et vous a mené à votre perte. Merci beaucoup pour le sub. Top tier. Ah, ça fait plaisir si tu vas bien. Je devrais regarder ça. T'en es où toi? Tu joues toujours quand même? Lumos. Où t'as lâché? Ah, tu vides le château. Dit que voyager, ouvrez les normal. Je comprends. Moi j'explore un peu. J'ai Halo Mora niveau 2. Je sais pas si t'en es au Halo Mora, mais tu verras. Ah, l'autre il est tombé dans le vide. Ça va, mec? T'es condamné à mourir, tu sais? C'est l'élève de la tour. Incendio. Mais il est condamné à mourir. Tu n'arrêteras jamais les fidèles à transporter. Je ne crois pas, mec. C'est ici qui va tomber. Oula, il y a des têtes de mort. Action. Arresto moment incendio. Action. Incendio. Ce n'était pas très impressionnant. Protego. Je ne m'arrêterai pas avant de te vaincre. Comme si tu pouvais me vaincre. Mais des fois le jeu il déconne, hein.
Confringo. Quand vas-tu abandonner? C'était pathétique. C'est bon. Au pouvoir des gobelins. Arresto momento. Repulso. Action. Incendio. C'est moi. Glacius. Confringo. Descendo. Ah, c'est rapide. Merci. Arrête-toi, merci. Il m'en manque 2 pour le level 3. Ah ouais, t'es allé vite. Oh mec, t'es allé vite. Bah GG hein. Revelio. GG à toi hein. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Je fouille tout, mais t'as bien raison. Moi j'ai déjà ma ferme de créatures magiques, mec. Ça fait plaisir. Ah, t'as déjà ouvert le coffre de la salle commune. Ah oui. Hein? Comment ça? Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Quel plaisir de vous revoir. Tombeau de la trahison. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Revelio. Ah non, mais ce jeu est une pépite. Ce jeu est une pépite. Mais j'avais besoin de ça. Trop bien. J'en avais besoin. Je vais pas spoil, mais j'ai trouvé un truc avant. Avant quoi? Comment ça? Par contre, j'ai découvert, il y a 2 TP si tu les prends à la suite, tu craches 100%. Je t'avoue que je me balade plus en comment emballer que en utiliser la cheminette. Je t'avoue. Revelio. Il y a de l'araignée de merde ici, c'est le tombeau de qui ça? On est dans le Seigneur des Anneaux là ou quoi? Incendio. Tu t'es perdu dans les montagnes, bah là aussi là c'est ce que je fais hein. Des bisous, j'ai faim, bah vas-y va bouffer vieux. Repulso. Arresto momentum. Incendio. Action. Expelliarmus. C'est pas de ma... Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Expelliarmus. Kifindo. Ah non, c'est vraiment... Alors, ça va être encore... Attendez, je suis allé un peu trop vite. Ça va être encore le truc des... Génial. La première pièce du puzzle. Lumos. Ça va être encore... Je peux double Lumos? Ah non.
Et d'un, plus que deux. Lumos. Ok. Je dois bien pouvoir grimper sur quelque chose par ici. Oui, ne t'en fais pas, j'ai trouvé. Action. Wingardium Leviosa. Action. Voilà. C'était pas dur. Action. Culard. Enculard. Confringo. Y'a pas d'autre torche, y'a rien, ok. Lumos. Amène-toi. Que va-t-il se cacher? Qu'est-ce qu'il protège? Saloperie! Saloperie! Oh, c'est de la saloperie, ça! Ah, ça, je reconnais, ça! Ça, c'est du Romano de première zone! Bah ouais, qu'est-ce qui protège, du coup? Bah, y'a rien là-dedans! Y'a genre... vraiment rien! Donc j'avais rien à foutre ici! Et bah, c'est tip top. Incendio. Pas trop les petits bruits que j'entends là. C'est quelle maison? C'est pas possible. J'ai répondu à cette question 157 000 fois, je crois. Je suis de Pouf Souffle. La meilleure. La meilleure de toutes les maisons, bien sûr. Voilà une agréable surprise. Ça va être chiant, ça, je le sens bien. Ah, c'est la première fois que tu vois le jeu. Hein ? J'ai entendu un bruit ici, j'ai pas rêvé. J'arrive. Et aussi calme, tu n'as aucune chance. Arrête au moment.
Tu vas le regretter. Action. Ne perds pas ton temps. Putain, mais j'ai baissé. Arresto momentum. Incendio. Mais j'ai baissé le son et c'est encore archi fort de fou. Mais il se fout de ma gueule le jeu ou quoi? Je vais mourir avec ton son là. Mais attends, c'est parce qu'il valide pas ou... Bah si. Mais c'est dingue ça. Je comprends pas. Ah, merci, putain, je respire un peu là. Arrête au moment, une scène. Action. Action. Ah, je crois qu'elle est tombée dans le vide l'autre. Ah non, pas encore. J'ai cru qu'elle était tombée dans le vide. Parce qu'elle a fait... Ok, ce camp est vidé. Attendez, est-ce qu'il peut faire jour s'il vous plaît? Parce que... Putain, je me tape un sale mal de crâne, hein. J'ai trop live ces derniers jours là. Vraiment, j'ai fait beaucoup de live. C'est chou. Ah bah voilà quand même. Je me souviens, j'avais une broche. J'ai vendu des bébés nifleurs. Attendez. Je peux les capturer là, genre? No way. Fous de ma gueule là? Lui soulever son gros cul à lui. Oh, j'ai réussi à le suspendre par la langue. D'accord. Donc ça veut dire que quand il fait sa langue, tu fais Levioso directement dans la langue. Ah mais il va pas revenir le griffon là. Mais je veux trop qu'ils reviennent là. Ouais ouais, j'ai le sac. Donc du coup je vais pouvoir le glacio là. Et après je vais pouvoir le capturer genre.
Merde, tu crois qu'il s'est enfui de manière définitive? Oh bah non. Elle est là-bas, je crois, non? Non. Bonsoir. Salut, Gintama. Merde. Oh, je suis deg. La suite. Et voilà. J'ai un Zozio. Mais moi je veux mon griffon. Putain, s'il faut le capturer, ça va être une autre paire de manches. Je le sens que ça va être marrant, tiens. Allez, retourne te poser. Retourne te poser, putain. Oh la chasse de connard! Et heureusement, il a trébuché. J'ai un hippogriffe. Oh, let's go. Merci, R.I. Merci beaucoup. Allez, j'ai mon hippogriffe, c'est bon. Je peux capturer. J'ai oublié de me désabonner de Prime, alors il reste ici. Bah, c'est gentil. Merci à toi. Y'a pas un point de TP quelque part où... Non, ça c'est un camp. Là, y'a un TP. Qu'est-ce que vous mijotez ? Il jette rien, madame. On va aller le voir. On va aller voir le ranch. Oh, il y a même pas de transition, genre. La transition, genre, elle est quasi instantanée. Je veillerai bien sur toi. Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais faire.
Merde, comment je les renvoie, les créatures? Ah oui, pardon. Ah merde. Un mâle et femelle, là, il y a deux femelles, donc ça marche pas. J'ai déjà une femelle. Toi, je ne te veux aucun. La mâle et femelle, c'est très bien. Une femelle, j'ai déjà. Là, c'est deux femelles, donc c'est pas cool. Ça, c'est mâle et femelle. Il y a déjà une femelle. Je vais y mettre un mâle. Limite d'espace atteinte. C'est pas vrai? Pourquoi tu dis ça? Ah, là, je ne te ferai pas de mal. Limite d'espace atteinte, vendez des créatures chez Pikinin pour faire de la place à cette espèce de vie dans le vivarium. Ah bon? Ah. Trop mignon. Je peux pas voler ici, dans cet endroit. Tellement dommage. Moi, je vais aller chez Piqué Collégramme, hein. C'est là. Non, ça, c'est là, c'est l'enclos. C'est là où tu peux faire l'enclos pour les animaux. L'endroit où toi, tu vis, c'est la maison sur demande. Enfin, la pièce sur demande. Je fête ma première stagiaire officielle que je peux traumatiser. Elle arrive le 20 février. Bonjour. Si vous avez des plumes de... Super. Bonjour. Ah, la pauvre. Un marchand de louterie Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatou. Enfin bref. Super, madame. Je vendais des... Mais quand les clients... Ferme-la, en fait. J'imagine. Il y a pire. Crois. Rien de bien sûr. Tais-toi! Avant, je vends. Ce n'est pas de ma. Et j'aime. Putain. Je vous laisse faire. Je. Merci, je n'y mens. Prenez tout. Tais-toi, mais tais-toi. Vous à la vente. Montre-moi ce que tu me vends. C'est tout. Je suis là que pour ça, moi. Quel produit de créature avez-vous besoin? Comment ça, sous-produit de créature? Alors, oui. Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me voilà, trouver. Voilà, ça je garde. Je serai ravi de vous revoir. N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra. Mais attends, mais elle vend pas genre des équipements? Mais normalement, elle est censée vendre des... Mais elle est pas censée vendre que ça? Madame, il y a traîtrise là. De quel sous-produit de créature avez-vous besoin? Et c'est pas un sous-produit de créature que je veux, moi. Je
N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous en prendra. D'accord, il pêche comme ça lui. Mais. Mais attendez, mais je suis full deg en fait. Les meilleurs sous-produits, mais c'est pas les sous-produits que je veux. Mais je suis trop deg. Parce qu'attends, si je peux pas la poser ma bestiole là. Moi je suis grave deg. Est-ce que ça fait quoi? Ça fait que le professeur Owen ne me croira jamais. OK. Si je pose les deux matous. Les deux machins. Après, je peux poser les deux là. Voilà. Et c'est ça que je peux pas poser. Ouais, je préfère comme ça. Putain, c'est pas ce que je veux faire. C'est très chiant. Ah, c'est juste pour des... Ouais, j'aimerais la signer à ma monture. Et du coup, je peux pas, hein. Ouais. Et ça, je peux pas, c'est... Achat auprès de Tom et Parchemin. Et en fait, c'est chez Tom et Parchemin qu'il faut que j'aille. Oh! Pas rentrer dedans. Non, c'est juste de la déco. C'est incroyable. Vraiment. Ah ouais, non, mais les devs, ils se sont fait plaisir. Voilà, et là on peut commencer à faire des queutrues, genre... assez cool, tu vois. Après, tu peux foutre des pylônes, des escaliers, des machins de partout.
Et là, pareil, le sol. Planche en bois. Donc tu peux vraiment te faire ta maison. Bon, je vous ai mis un peu de végétation, les copains. Et j'espère que ça ira, quoi. Mon. Ah oui, il y a des gens qui vont faire des trucs de ouf, hein, vraiment. Bah du coup, il faut que je retourne chez l'autre con. Tome et parchemin, c'est ça. Hein. J'ai plein de choses à lui acheter, lui. Oui, ils interagissent déjà avec les objets que je pose. Que toutes les routes mènent à Bréolar. Parce que les buissons que j'ai mis là, t'avais un vulpine ou vulpleine lune, je sais pas quoi là. Je me demandais justement quand je vous reverrai. Alors. Boîte à jouer pour créatures. Permet d'invoquer une station de nourriture. Placez-en une pour vous assurer que vos créatures sont nourries. Ça, c'est trop bien, mec. Cette table fournit périodiquement un sous-produit végétal. Alors, gardez un œil dessus. Ok. Permet d'invoquer une marmite sauteuse. Préparera périodiquement une potion aléatoire. Ça, c'est broken. De deux grands pots. De trois. Permet d'invoquer un poste de potion moyen. Comment ça moyen? Alors c'est ça le truc. Permet d'invoquer une table de rempotage au milieu de cinq pots. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait. Ça permet d'invoquer un poste de potion moyen. Et vous serez utile pour préparer toutes sortes de potions. Mais permet d'invoquer un raffineur de matériel utile pour produire de la pierre de lune essentielle pour les créateurs en question supplémentaire. Créer une table de rempotage munie d'un grand pot. Utile pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques. Utile. Ouais, mais c'est quoi la diff? En vrai. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Tu ne peux pas m'aider, mec. Ah, bah voilà. Ça c'est cool. Une table de rempotage où je peux mettre Mais là c'est quoi? C'est une table de rempotage comme ça? C'est pas la table à 5 pots? D'un petit. De 5 petits. Ok, d'accord. Je me suis fait baiser. C'est quoi ça? Table de découpe. Ah, c'est trop bien. Ok. Hop, alors ça. Ah merde, il est en cours d'utilisation. Fuck. Quoi? Ok. Donc là, il me faut un truc à 5.
faire un truc clean. Il va pas me laisser la poser comme j'aimerais la poser, hein. Voilà. Voilà. Là, on va farmer de la popo, là. Voilà! Excellent! Excellent! Là, on est bien, là, voilà! Ah, t'arrives, là, attaque! L'endroit où, où ça bosse un peu, là. Ah oui, on a découvert un busque dododesk. On peut mettre un très très grand. On peut mettre un tout petit. Ah. Le très très grand là. J'adore, j'adore. Putain, franchement. Laisse tomber quoi. Les grands pots, c'est pour des très grandes plantes. Ça, c'est des trucs de bouse. Et ça, c'est la découpe botanique. D'accord. Là, pour les potions, après, on a les chaudrons. On a 7 minutes. 5 minutes. C'est Bane ou quoi? Ouais, y'a que de la merde, hein. Direct, ça va faire du bien ça. Ok. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Et donc du coup vous me dites que je ne peux pas pour l'instant... C'est quoi déjà ? Pose de potion, voilà. J'ai pas acheté ça encore. Et là, j'ai le quoi à crafter toutes les potions, sauf ça. Mais la 6 cimbres, on est en train de la faire. Les popos, j'en ai encore, j'en ai 9. Ça, ça va, c'est ok. Ok, ok. Bah, super. Alors, vis-à-vis des quêtes. Ça, je sais pas, mais ça, c'est quoi? C'est parler à Adélaïde. On va aller parler à Adélaïde. Ouais, j'ai un elfe de maison à moi, bien sûr. Y a rien de choquant. Et en fait, c'est pas que cette petite pièce, hein, ma pièce. Je vous ai pas tout montré parce qu'elle est très grande. Et ça, c'est cool. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Bonjour, Adélaïde. J'ai reçu ton hibou. Je te remercie d'être là.
Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolar et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Des gobelins extrémistes. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop ? Comment ça, y a des gobelins extrémistes ? Tu as raison de t'inquiéter, Adélaïde. Terrible. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Les aides-gobelins. J'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Ah ouais. Tu voudrais bien enquêter pour moi ? J'ai entendu dire que, tout comme oncle Roland... Oui, de toute façon, j'ai que ça à faire. Toi aussi, tu avais un penchant pour l'aventure. Vas-y. Ah, attendez. Je vais faire des recherches, Adélaïde. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Attendez, il faut que j'aille voir. Juste un instant. Alors, personne. Trouvez le. J'espère que Roland, l'oncle d'Adélaïde, va bien. Campement de Roland. Selon Adélaïde, le campement de son oncle se trouve peut-être vers Bourgaren, après la rivière. Tu me fais sortir du château là, non ? Oui. Il est bien ce balai à 5000 balles. J'arrive pas à me rendre compte si je vais vraiment plus vite ou pas, mais... Je cherchais justement le coin des nifleurs. Pour en capturer. Levioso. Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur Duchesne ? Et un nifleur, hein ? Bien à présent. Oh oui, merde. Oui. J'avais mis quoi là ? Putain, c'est terrible de pas se souvenir. J'ai ça, ça. Ah oui, donc là, il y a un descendo. Ok. Et là, j'avais ça. Ok. Des fidèles de Ranrock, juste devant.
foutit mieux. Non, non, non. Encore un nul. Répulsion. Action. Arresto momentum. Je n'ai pas le temps. Incendio. Action. Incendio. Action. Incendio. Arresto momentum. Je dois découvrir ce que ces gobelins ont fait. Bah vous êtes nuls. Si tu fais un Glacius, puis Incendio, ça fait boum. Ouais, bah y a des enchaînements comme ça qui marchent. Non, je veux pas supprimer du... Voilà, on va supprimer du verre. Ça coûte que 60 balles. Revelio. Registre des transactions de Monsieur Dulé. Adélaïde a dit que son oncle notait toutes ses transactions sur des cartes. Ses repères nous guideront peut-être jusqu'à lui. Quoi, de là, faut aller par là alors ? Non ? Tu veux que je sache? Oh, je suis pas doué par contre pour ce genre de choses, hein. Genre véridique, hein. Paris, une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu. Hein? Mais tu vois ça où, mec? L'arbre tordu. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut. De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir et blanc manquent clairement. Je devrais peut-être faire un tour à Feldcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Wesh. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce qui baragouine, en fait? L'arbre tordu, il y a des arbres tordus partout, frère! Utilisez la carte. Alors ça, c'est pareil. Ça, ça me fait chier parce qu'elles sont où, ces cartes-là? Elle est là. L'arbre tordu. Sur le rocher. Une tour en moitié cassée. Non, mais trop dur en fait. Revelio. Non mais trop dur frère, ça va. Oh, j'ai tellement pas le cerveau pour là ce soir, je suis éclaté là. Oh non. Flemme. Ça non. Non. Oh merde. Ça y est, j'ai la flemme. Ça y est, je vais me barrer de la mission. Moi, je veux bien l'aider, ton oncle ou je sais pas qui là, mais meuf, j'ai la flemme, hein. Oh.
T'as une toute petite indication sur la map, genre juste un point, ça aurait suffi. Oh, je sais pas, meuf. Ah, parce que je peux même pas descendre. D'accord, donc je peux pas attendre en fait, donc ce sera de nuit. Bah, je sais pas, connasse! Oh, elle m'a perma saoulé. Les principes d'une carte au trésor. Ouais, non, mais mec, enfin. Vas-y, on va me dire que je vais faire preuve encore de mauvaise foi, mais t'as un milliard d'arbres et un milliard de rochers partout! Et on te donne 3 dessins! Et vas-y, démerde-toi, fils de pute! Merci, quoi! Parce que si ça pour les gens c'est explicite et visuel, bah non. Non. Parce que je l'ai fait ta rivière de merde. Et j'ai pas vu ton petit rocher à la con avec ton petit arbre de merde là, tu vois. Je sais pas c'est quoi la distance. J'en ai aucune idée. Donc là, t'as le rocher à la con. Que me réserves-tu cette fois-ci? Donc moi, je continue la rivière. Enfin, sauf si elle décide de faire des trucs chelous, la rivière. La tour là, elle fait pas partie. Pierre ont connu des jours meilleurs. Elle fait partie du dessin la tour là et il en parle pas. Parce que tant que j'ai pas trouvé le truc en question, ça il en veut pas, c'est ça? Parce que ça c'est la tour hein. L'arbre tordu. Un arbre tordu, comme sur la carte. La tour en ruine ne devrait pas être bien loin d'ici. On en vient, espèce de gros con, va. Et voici la tour en ruine. L'endroit indiqué sur la carte doit se trouver juste au sud. Qu'avons-nous là ? C'était donc ça. Action. Arrête au moment. Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Tu verras qu'est-ce qui se passe. C'est exactement ce que je Action. Cette tour. Quel saut. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Attends. Voici l'endroit indiqué sur la carte. Je vais vers l'instant. Par ici. Je t'impressionne. Ouais, tu m'impressionnes, ouais. T'as vu comme je suis impressionné? Je suis impressionné de fou, hein. Ah, attention. Non, en fait, tu peux pas chercher directement le X en question. Il faut que t'ailles. En fait, faut que t'ailles petit à petit au truc. Faut que tu trouves tous les indices pour que le gars te dise que c'est bon, que ça déclenche les scripts. Sinon, c'est mort. Mais ici, j'y suis déjà allé. J'ai déjà cassé la gueule à tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Action. Comment ça? Regarde qui est là, mec. Incendio.
dirais que Adelaide avait raison. Ranrock a ton sang sur les mains. Il est mort, mec. Il est mort. T'auras beau lui dire, il est mort. Vraiment. Bon, lui, il a rien compris à sa vie, lui. Nul. Dégage. Salut, Hellcraft Twitch. Oh, j'aurais dû me vider, tiens. Ah oui, non, c'est bon, c'était là. Oh putain, je suis vraiment fatigué. Oh mon dieu. Je peux pas encore apprendre avec un cadavre. De ouf, intéressant. Alors la salle sur demande. Ok. Inflige des dégâts supplémentaires et brise les boucliers. Alors ça c'est hyper fort. J'en ai plus, mais c'est hyper fort. J'ai détruit ce qu'il fallait ou pas? Je crois. Non. Ça, là, vraiment, l'inventaire, c'est le truc le moins bien géré du jeu. Hein. Alors, ça geek les jeunes. Oui, monsieur. Tout à fait. Je suis pas allé par là. En fait, tu lootes énormément dans le jeu. C'est quand même un délire. Hein. Et tu te retrouves vite rempli de plein de merde. Incendio. Dur la vie, monsieur, hein. Quand vous vous faites bolosser par un enfant. Réveillon. C'est qu'à la parole des humains ne vaut rien. Soit le métal qui vous a promis. Ah, alors... J'ai fait une roulade, hein, mais... Je pourrais me charger de tâches plus utiles que le guet. Confringo. Descendez. Ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. C'est vrai? C'est l'élève qui a vaincu notre camp. Ah! J'en ai marre.
c'était par là. Tu ne crois quand même pas pouvoir me battre. Oh bah si, 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 quand même. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Arrête au mauvais sens. Je vais venger ta mort. Action. Répulsion. Tu ne tireras pas comme ça. Tu te crois capable de tout, hein? Protego. On n'aura pas tous nos mains. Action. Vraiment. Incendio. Action. Arresto momento. Leviosa. Kiflingo. Dommage qu'il n'y a pas de démembrement dans le jeu. Ça aurait été marrant de prendre son temps et de leur éclater la race. Aurait été très fun. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et la robe. Oh. Hello. Je vais te faire. Les gossons. Arrête ces soucis. Expelliarmus. Hein, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je les ai éclatax d'un coup. Monsieur Duchesne? Oui, je suis là. Ils ont pris ma baguette. Le verrou de la cellule a été enchanté. Je connais bien ces cellules-là, mais il me faut ma baguette si je veux espérer l'ouvrir. Chercher une porte de chaudière. Je les ai entendus en parler. Je dois trouver la baguette de Monsieur Duchesne. Où peut-elle bien se cacher? Il faudrait que je me mette un quatrième slot quand même. Que je réorganise mes sorts mieux que ça. D'une manière ou d'une autre, nous obtiendrons ce qui nous est. Il est trop fort. Oh putain, le bruitage, il est trop fort, mec. Ah bah, j'ai plus rien. Bah, super. Hé, hey, toi, tu m'énerves. Erreur. Facile. Ah, donnez-moi de la thune et pas du... J'ai même plus envie de les ramasser à force. Du bleu, ça dégage. Du vert, ça dégage. Le bleu, ça dégage. Là, c'est moins bien. Et c'est moins bien. C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. T'es con, toi, vraiment, hein? Oui, c'est la baguette de Monsieur Duchesne, c'est pas peut-être, puisqu'il y en a qu'une dans le secteur, donc c'est forcément celle-là, à l'endroit où il te l'a indiqué. Et oui, ça va l'aider à se libérer, puisqu'il a dit que ça allait être... Mais il est con, en fait. Donnez-moi ça, vite, avant qu'il ne revienne. Il faut que je sorte d'ici.
Il cherche la merde, lui. Vous avez réussi! Vous avez trouvé ma baguette et... Attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin, vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Adélaïde et moi, ça me... Il est mignon, lui. Elle s'inquiétait de vos liens avec les fidèles. Il est mignon, lui. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit... Ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit, mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit... C'est bon, t'inquiète. Je suis content d'avoir pu vous... C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe... Ok. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver... Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Ça ira, monsieur Duchesne. Retournez auprès d'Adé. Ah, j'ai hâte de retrouver. Oui. Merci. Allez, va la retrouver, me casse pas les couilles, me raconte pas ta vie pendant 1500 ans. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Renrock ne l'auraient jamais libéré. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Je vais dire... What the hell? Terminer quatre annexes de relation. Ah, je ne peux pas ouvrir la carte ici. D'accord. Donc je peux pas transplaner ici. J'avoue, le premier qui pense à ma sécurité, mais surtout qu'il est débile en fait. Parce qu'il aurait dû cogiter, il aurait dû surtout s'étonner et dire « Attendez, vous êtes si jeune ? Mais c'est vous qui avez fait ça ? Mais waouh, c'est incroyable ! Merci mon jeune ami ! Et pas « mettez-vous à l'abri !»« Connard, c'est moi qui ai tout fait, t'es con, réfléchis deux minutes !» Oh là 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 là. Abruti. Alors... Quête. Ouais, ça c'est vrai. Ah. Créateur d'invocation. Vas-y. Ok, c'est ici, d'accord. Bah, je vais me taper là, alors. Ah oui, non, mais... Ça rend vraiment le délire. Les baguettes dans mon nez jusqu'à mon cerveau. Nous accueillons que Préola. Yuza et Gryffondor, ça m'étonne pas. Tu sors de queue. Pardon. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien ? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodcock ? Oui. Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler... On a parlé de sacré boulard avec Lodcock, hein ? Attention. Quels que soient vos plans. Je... Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. Oh, il parle de manière je tellement niaise, le perso. Je aller rendre un service à mon ami Dorothy Sprottle, à Campolaran. Sprottle ? Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse. Mais je t'ai pas demandé ? Je l'ai vu quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment... Le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. Okay. J'aimerais que vous passiez la voir. Okay. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ses potions Wiganweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Oui, non mais pas de soucis, madame. En fait, il faut juste faire comme moi.
et transplaner et arrêter de demander à des inconnus tels que des enfants de faire votre basse besogne. Hein ? Parce que vous pouvez transplaner vous aussi, hein. Putain de merde. Bande de feignasses. Campolar en haut. Où se trouve Madame Sprottel ? Madame Sprottel ? On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Bonjour, Madame Sprottel. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère... Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des... Ouais. Et elle a eu raison, mon cher Aidan. Okay, ouais. Toutes mes condoléances, Madame Sprottel. Oh, merci. Si vous acceptez de récupérer des hors-glues pour moi, je se... Ok. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottel... Tout à fait. J'avais presque oublié. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ok. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des hors-glues en chemin. Ok. La grotte se trouve dans les collines... C'est là, c'est ça que t'aurais dû dire en fait, direct. Merci, madame. Merci. J'aurais pas dû raconter ta vieille life. Pas possible, ça. J'espère que tu sais ce que... Ta gueule! Ce doit être la grotte mentionnée par madame. Hé! Allez vous faire enculer! C'est donc toi, la vermine qui a libéré Treadwell. Action! Arrestons mon essor. Alors quoi, on a peur de prendre un coup? Tiens, on va voir ce qui se passe en bas, toi. Par la barbe de Merlin. Il est pas mort? D'où il est pas mort, le mec? Oh, faut m'expliquer, là. Non. Action! Non! Je suis allé trop! Action! Incendio! Ah ouais, t'y allais trop fort! Allez, va voir ailleurs si j'y suis, meuf! 5000 de dégâts. T'allais dire ? T'allais dire un truc ? Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. C'est trop marrant de les envoyer dans le vide. C'est con que tu peux pas les Wingardium Leviosa. Aller pour les balancer dans le vide. Boîte de lettres de Sirona. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. J'ai récupéré tous les hors-glups. Madame Sprottel va être ravie. Mais tu lui avais pas déjà donné les hors-glups ? Il me semblait, mais... Soit oh, j'affronte ce troll, soit j'essaie de l'éviter. Ah, oh, tu les balances tout à la gueule, ouais. Ouf. Qui marche bien contre eux. Confringo.
Aïe, ça picote. Incendio. Arresto momentum. Compulsion. Action. Oh le bâtard, j'ai appuyé au dernier moment. Couché, j'ai dit. Aïe. Confringo. J'ai bien failli y passer. Mais non. C'était easy tier ça. Pas de soucis mec. Quand on aura Avada Kedavra, les trolls ils vont faire 2 secondes. Ils vont faire 2 secondes 12. Caverne d'Ali Baba. Incroyable. Qu'est-ce que... Il y a un lapinou dans l'eau. Devoir du professeur Bubile. Ah, ça y est, on va pouvoir apprendre le flippando. Je peux pas attraper les écureuils pour les élever et les donner à manger à mon hippogriffe. Bon, lisez l'histoire. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona, je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Oh bah oui, elle a que ça à foutre. Si je l'utilise pendant un duel, mais il y aura pas de duel. On déplaise à ceux qui veulent du PVP, mais je crois pas qu'il y en aura. Hein. Ça m'intrigue. Mec, il a entendu des gens vomir. J'espère vraiment que mon frère va bien. Encore rien à voir, c'est pas ici. Fais gaffe, à côté de chez vous, il y a quand même des gens qui vomissent. Hein. Ça fait des bulles. J'ai entendu ça, moi. Il faut faire attention quand même. Préolard, me voilà. Préolard, me voilà. C'est vraiment, t'as envie de lui mettre des claques quand il dit ça, je te jure. Hein. Il peut dire Préolard, me voilà. Préolard, me voilà. C'est Stéphane Bern le mec ou quoi là? Super relou le gars. Il parle normalement là. Un cours de décence, ça marche aussi hein, Ténéris. On a vu, il y a un truc là. Revelio. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place du village. Si tu savais comment je m'en branle. J'ai pu donner à votre ami. Oh, merci.
C'est un plaisir d'avoir pu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans... et de m'avoir rendu cette boîte. Écoute, une fée qu'on travaille. C'est qui, toi ? Xiout ! Pardonnez-moi, vous étiez en... Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque non, t'es sérieux? Il était totalement Erkenim. D'entrer dans la forêt. Oh, mais non. J'entendais d'horribles histoires à son sujet, et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons. Vous voulez que je suive? Oui, c'est ça. Très bien. Si j'ai le temps, je... Oh, c'est gentil. Mmh. Vous me trouverez souvent en Paris. D'accord, ouais. N'oubliez pas, les papillons mais sont... Si, c'est pareil pour les autres employés. Mais c'est trop bizarre. C'est trop chelou d'embaucher les gens parce qu'ils sont cancer, sont en cancer. On rigole, mais cancer, ça ouvre vraiment des portes. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à... Des hôpitaux, hein. Damn. Ah non, mais ça ouvre des portes, bah oui, mais... C'est quoi ce symbole, déjà, là? Ah non, c'est juste qu'il y a... Oui, c'est vrai, il y a des araignées. Mais j'ai déjà sauvé la personne qui était ici, non? C'était au début du jeu, je crois. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardze aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Ah, mais quand il y a une petite brise, c'est plus long. Ça va, j'en ai bien assez ou j'en ai pas bien assez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça donne des objets. D'accord. Ouais, en vrai, tant qu'à faire, on peut faire ça, c'est rapide. Lumos. En fait, c'était juste l'humus qu'il fallait faire sur les papillons. Ces épreuves de Merlin ne résisteront pas. C'est tout. T'as recraché ton eau, merde, désolé. Bon. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Hein ? Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une... Elle prête ta voix pour des films de boules, hein ? Alors, que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Je les ai suivis jusque... Oh, c'est merveilleux ! Oh, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer... Pour le moment, je suis contente de sa voix. Waouh, j'ai débloqué une jardinière.
Qu'est-ce que c'est que ce point? C'est moi qui ai mis un point sur la map sans faire exprès, hein? Sûrement. Ah oui, mais faut que je l'enlève. Pourquoi je le vois pas? Ça, c'est une quête. Il est où le vieux point que j'ai mis? Mais... attendez, ça me perturbe. Attendez, mais si ça se trouve, il est genre archi loin, le point. Eh oui. Le destin d'un frère. Retournez voix claire machin. Quel plaisir de vous revoir. Oh, je vais pas tarder à me poser moi, la fatigue elle tape là. Je sais pas combien d'heures j'ai fait aujourd'hui là, mais... Vous avez toute ma gratitude. Que recherchez-vous exactement? Bah rien en fait. Fallait... Merci d'être passé. Non, mais oui, mais fallait te parler. Vous avez rendu Campolar en haut plus... Madame Beaumont? Bardolph? Que savez-vous sur mon frère? J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius. Et que... j'ai dû le tuer. Quoi? Mais comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius? Ah, je l'ai vu, hein. Il portait un pull en laine, tricoté main. Non. Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Bon, j'ai tué votre mari, Madame Beaumont, hein. Allez, bonne journée, Madame Beaumont, hein. Et un petit sourire avec un Madame Beaumont. On fait pas la meuf, hein, Madame Beaumont, d'accord? Oh, les gens qui chialent et tout, là. Merci. Oh. Intéressant. Rebellion. Oh, un blason. Attends, on va faire ça là déjà. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah oui, excusez-moi monsieur, j'ai roupillé chez vous par terre, ça vous dérange pas? Une demi-guise encore, j'ai l'impression. Je n'ignore pas les risques que vous avez dû prendre. Allô, Mora. Allez, c'est chez vous là. T'as acheté le jeu? Ah bah... RIP. Rebellio. Tu fais partie toi aussi dorénavant de la grande famille des transphobes. Je t'en prie, installe-toi. Y'a pas une demi-guise quelque part? Ah non, j'ai cru. Ah, et maintenant elle est toute heureuse alors que je lui ai apporté que des mauvaises nouvelles, la meuf. Ils sont trop gentils, les gens d'ici. Incroyable, ça. Utiliser, ouais, donc ça c'est chiant, ça je connais. Et ça c'est trouver les jetons. Et obtenir les trois plantes. Ok, bah on peut retourner à Poudlard. On peut retourner chez nous. Apprendre le Flipendo. Et là, on est content.
Bah non, bah ça je l'ai pas encore ça. À taille inadaptée pour le Troux. Ah. Taille inadaptée pour le Troux. Du coup j'en ai pas. D'accord. Est-ce que ça demande des grands Troux? Enlarge your Troux. D'accord. Ouais. Ouais, puis s'il pète, ouais, d'accord. Oh, tu sais, pour moi, je suis déjà nazi, homophobe, raciste, xénophobe, j'en passe, alors transphobé, pas grave, ça complète mon Pokédex. Je comprends. Tu veux voir mon grand Troux? Ok, amortisseur d'acquière. Ok, ça c'est quoi ça? Ça je sais pas c'est quoi ça. Et bah nous avons bien avancé.